À Bobo, quartier Sagbé, nous sommes dans le district d'Abidjan, il est 12h30. Une cérémonie en l'honneur de Hadja Bamba Oédé, de retour de la Mecque. Ici, les organisateurs s'apprêtent à mettre fin à la cérémonie. La cause, une éclipse solaire annoncée la veille aux environs de 13h dans le district d'Abidjan. Je n'ai pas encore vu d'éclipse solaire. Bon, je ne sais pas si l'heure annoncée c'était maintenant ou bien c'était après, mais on n'a pas encore constaté. Je n'ai rien vu. J'ai pas vu d'éclipse, j'ai vu que le temps s'est assombri. Tout comme Awa et Ndiza, certains religieux s'apprêtent à attendre à ce phénomène naturel. Ils disent être restés sur leur faim. Nous avions eu l'information hier soir, l'information selon laquelle aujourd'hui, dimanche, nous devrions observer une éclipse où il fait totalement noir. Malheureusement, nous étions dans la tente. Nous n'avions pas véritablement observé cette éclipse tant attendue. Quant aux enfants de moins de 10 ans, ils attendent à ce phénomène astronomique pour libérer le soleil assombri par un épais manteau qu'ils comparent bien à un chat noir. En somme, éclipse hybride ou éclipse totale, les populations d'Abidjan espéraient bien un noir total. Elles devront donc attendre le 1er septembre 2016 selon les prévisions.